J'ai désiré vivement vous écrire au sujet de notre salut commun. Je me suis senti obligé de le faire afin de vous exhorter à combattre pour la foi qui a été transmise aux saints une fois pour toutes. Que le Seigneur bénisse sa parole. Amen. Nous continuons avec notre enseignement. Après une semaine presque de répit, où nous avions été empêchés d'une manière ou d'une autre, pouvons nous rendre compte que le diable a élevé toutes ses armes pour nous déstabiliser. Si vous faites tuer avec deux morts dans l'espace, de quelques jours, des cas de maladie, nous devons être éveillés et beaucoup prier. La semaine passée, on n'a pas pu continuer alors que nous voudrions vraiment atteindre la fin de cet enseignement. Mais par sa grâce, nous pouvons le faire aujourd'hui. Mais restons éveillés, restons dans la prière, nous ne savons pas. Ce qui se passe, ce n'est pas seulement pour l'église, mais c'est pour toute la ville de Kinshasa. Vous avez vu en une date là, où il y a eu accident quelque part, ici, il y a eu mort, c'était le 2. Il y a eu des cas de mort partout. Certains parlent des esprits de sacrifice, etc. Mais ceux qui se confient en l'Éternel sont protégés. Nous devons rester éveillés. Pendant que le diable est en train de faire ses affaires, nous aussi nous devons faire le nôtre. Alors, avec ces temps morts, on pourrait déjà avoir oublié la pensée de notre enseignement. C'est un enseignement simple, c'est un enseignement de rappel pour nous consolider notre foi dans ce que nous croyons. Nous sommes en train d'étudier une foi. La foi qui a été transmise une seule fois pour toutes aux saints. Et nous avons vu comment elle a été transmise. Quelle est la première personne qui avait cette foi? C'était Abraham. Et nous avons étudié les caractéristiques de cette foi. Nous avons soulevé ou souligné que la foi qui a été transmise une seule fois pour toutes aux saints a la capacité de reconnaître Dieu. Comme Jésus a dit, mes brebis connaissent ma voix. Ceux qui ont cette foi reconnaissent Dieu. Mais nous savons que Dieu se cache et se révèle dans la simplicité. Donc c'est comme un jeu de cache-cache. Vous allez vous poser la question, pourquoi Dieu parle en parabole? Pourquoi l'Apocalypse n'a pas dit les choses clairement? Jésus a dit, Père, je te loue de ce que tu as caché ces choses. L'arbre de la vie depuis la chute de l'homme a été caché, gardé par les chérubins pour que l'homme ne puisse pas s'en approcher et en manger. Alors, comme Dieu se cache, ça prend la révélation pour les découvrir. Alors, la foi qui a été transmise une seule fois pour toutes aux saints a la capacité de reconnaître Dieu qui se cache. Après l'avoir reconnu, cette foi pousse son possesseur à l'adorer. D'accord? Il va l'adorer parce que Dieu signifie quoi? Dieu signifie objet d'adoration. Oui, la plupart des temps, quand il les découvre, il n'est pas selon la conception générale du monde dans lequel l'adorateur vit. Il est un peu différent. Il découvre Dieu parce qu'il s'est caché,
Et sa foi souvent va à l'encontre de la tendance du moment. Parce que Dieu s'est caché et il est évident que c'est seulement une minorité qui va les découvrir. Quand on était des enfants, on faisait le jeu de cache-cache. Hein? Et puis je me rappelle encore, il y avait un chant qu'on chantait là. Koukoulé lombe. Voilà. Quelque chose comme ça. Alors, pendant que tu fermes, lui, il fouille, il se cache. Maintenant, on te dit, va le chercher. Naya, yaka. Et maintenant, si Dieu fait ça, Dieu avec toute sa sagesse, s'il se cache, qui peut le trouver? Vous comprenez? Alors, Dieu se cache et se révèle. Alors, il faut cette foi, c'est la clé qui permet aux saints de les découvrir. Et lorsque vous les découvrez, c'est pour l'adorer. Ça, c'est l'autre caractéristique. Ça vous pousse à l'adorer. Et puis après, qu'est-ce qui se passe encore? Cette foi va vous pousser à vous identifier avec lui, à porter son nom. Parce que lorsqu'il se révèle, il vient donner la vie. Et il est la vie. Alors pour avoir la vie, il n'y a qu'une seule vie. Et cette vie, c'est lui. Vous devez devenir lui. Et lui doit devenir vous. Parce que vous devez avoir sa vie. Et il n'y a qu'une seule vie éternelle qu'on appelle Zoé. Ou encore Anion. Ailleurs, William Branham parle de Anion. On lira ça plus tard. C'est cette vie-là. Alors, et puis, lorsqu'on les découvre, il y a l'autre caractéristique qui vous dit, quand vous les voyez là, il vous dit, chut, n'en parlez à personne. Nous avons vu Pierre, lorsqu'il a posé la question, qu'est-ce que les gens disent de moi? Qui suis-je? Les apôtres se sont mis à parler. Oh, là-bas au coin, on a dit que tu es Jérémie. Là-bas, l'autre fois, ce groupe a dit que tu es Esaïe. D'autres ont dit que tu es Jean-Baptiste. Jésus leur a regardé. Il a dit, mais vous maintenant, qui dites-vous que je suis? Pierre a pris la parole. Il lui a dit, tu es le fils du Dieu vivant, le Christ. D'accord? Et quand il a dit ça, Jésus a dit, ce n'est ni la chair, ni le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans le ciel qui te l'a révélé. Et il est écrit en bas, il leur recommanda sévèrement de ne les dire à personne. Donc cette fois, lorsque vous les découvrez, vous l'adorez, cette fois vous interdit. Vous pouvez l'adorer, mais en secret. Les autres ne verront pas. Et il va vous interdire sévèrement. Vous êtes là? Voilà. Donc cela nous pousse à l'autre caractéristique, c'est que cette foi, donc les principes du testament, c'est-à-dire le testament entre en vigueur après la mort ou le départ du testateur. C'est un principe vraiment sacro-saint et Dieu est comme ça. Lorsque vous voyez quelqu'un qui commence à se taper la poitrine pour dire « moi je suis tel », William Branham dit, la plupart des temps, c'est faux. Celui qui est quelque chose, il ne se pointe pas. Ce sont les autres. Quand tu vois quelqu'un dire, moi je suis le grand apôtre, moi je suis le grand docteur, la plupart des fois, c'est faux. Ce sont les autres qui vont vous déceler par vos caractéristiques. Voyez, Dieu avec Satan, il y a une grande différence. Dieu agit dans l'humilité. Satan agit dans l'orgueil. Il se fait voir et il se donne les titres. Le grand archevêque de l'humanité ou le grand docteur de l'Afrique ou le grand aigle du monde. Dieu n'a pas ça. On a posé à William Branham la question, est-ce que tu es le fils de l'homme? Il dit, si vous m'aimez, appelez-moi tout simplement frère Bill. Hein, ou tout ce que vous voulez, c'est correct. Alors nous avons vu encore l'autre caractéristique, c'est que cette foi-là,
C'est une foi qui est entre guillemets folle. Elle appelle des choses qui ne sont pas comme si elles étaient. C'est ce que nous avons vu tout ce temps. Ce sont des choses que nous connaissons, mais nous avons essayé de parler de cela de manière vraiment ordonnée pour que ça reste. Vous comprenez? Et qu'on n'ait pas de doutes. Parce que le diable amène toujours le doute lorsqu'on a des problèmes. Est-ce que Branham est vraiment Dieu? Si je vis ça, est-ce que Branham est Dieu? Mais avec ce que nous donnons, si vous restez, vous regardez les Écritures, vous n'allez jamais douter. Vous allez voir que c'est la parole. Amen. Alors, vous allez vous poser plusieurs questions lorsque vous êtes en difficulté, lorsque vous avez des cas de maladie. Mais avec cet enseignement, vous êtes pour positionner. Alors, quand nous avons vu ces caractéristiques, nous avons maintenant voulu les placer dans notre temps. C'est là où nous sommes. Comme nous avons étudié les caractéristiques de cette foi, maintenant en nous, dans notre temps, nous avons vu, est-ce que nous avons reconnu Dieu? Nous avons parlé maintenant de l'adoration. Et là, nous avons parlé, nous avons dit que l'adoration ne donne pas la vie, car le diable aussi adore. Maintenant, il nous reste trois caractéristiques. Nous avons vu la reconnaissance d'Elohim. Nous avons vu l'adoration d'Elohim dans notre temps. Maintenant, il nous reste quoi? L'identification avec Elohim. La confession d'Elohim après son départ dans notre temps. Comment on applique ça? Et quoi encore? Comment croire à des choses qui ne sont pas comme si elles étaient? C'est ça, tout simplement, l'enseignement. Et lorsque nous allons terminer les trois points des caractéristiques, nous avons terminé notre enseignement. Alors aujourd'hui, je crois que le dimanche, si Dieu fait grâce, nous allons finir. Aujourd'hui, j'aimerais vraiment prendre deux caractéristiques, mais je prends l'identification, je pousse ça pour le dimanche. Dans notre temps, j'aimerais prendre plutôt aujourd'hui. Nous sommes appelés à veiller sur les principes du testament. Comme nous venons de le dire. Jésus, qu'est-ce qu'il a fait? Lorsque Pierre l'a découvert, est-ce qu'il a dit allez-y prêcher? Allez-y publier? Non. Et c'est ce qui fait que les gens ne comprennent pas Branham. Parce qu'ils ne comprennent pas les principes du testament. Il ne les a pas poussés à aller faire du bruit. Au contraire, il leur a dit taisez-vous. Parce que c'est la richesse, c'est un pouvoir, c'est une puissance. Vous êtes là? Alors, c'est vrai, Christ nous a visités. Il visite le peuple, mais le principe du testament devrait être absolument respecté. Vous êtes là? Le principe du testament devrait être absolument, voilà, respecter. Lisons une écriture dans l'aveugle Bartimée. Écoutez ce que William Branham dit, prêché le 9 août 57. Nous sommes au paragraphe 69. Vous êtes-vous rendu compte que les prêtres qui avaient brûlé Jeanne d'Arc sur le bûcher, la considérant comme une sorcière, parce que la voix de Dieu s'est adressée à elle. Plus tard, l'Église catholique a déterré leur corps et les a jetés dans la rivière quand ils ont canonisé Jeanne d'Arc comme une sainte. Un testament n'a pas de valeur tant que le testateur n'est pas mort. Pourquoi William Branham disait ces choses? Vous voyez? Ils n'ont jamais, écouté, ils n'ont jamais reconnu Jésus, en fait, comme le Fils de Dieu, jusqu'après sa résurrection. Assurément, ils n'avaient jamais apprécié Élie, jusqu'à ce que tout était terminé. Ces choses se passent parmi nous, amis, et c'est fini. Il considérait Saint François d'Assise. Voyez,
On ne connaît pas ces choses. Jean-Baptiste, il ne savait pas qui il était jusqu'à ce que c'était terminé. Vous êtes là? Paragraphe 70. Écoutez maintenant. Christ est en train. Vous êtes là? Christ est en train de visiter l'église des gentils. Est-ce que vous êtes là? Ça, c'est William Branham qui dit. Christ fait quoi? Christ est en train de visiter l'église des gentils. Ce sont les lumières du soir qui brillent maintenant. Le prophète a dit, au temps du soir, la lumière paraîtra. C'est maintenant l'heure. C'est maintenant le temps. Si seulement vous prenez ces petits, ces gens d'un petit quelque chose qui aimerait vous rendre un mi-croyant de cela et un mi-douteur de cela, que vous mettiez cela de côté et que vous veniez maintenant. C'est Christ, Jésus-Christ, le Fils de Dieu, le même hier, aujourd'hui, éternellement. Combien croient cela? Donc, écoutez, Dieu, quand il se révèle, il ne permet jamais qu'on le révèle pendant qu'il est en vie. Jamais. Nous avons lu ça avec Abraham. Abraham l'a appelé Elohim après qu'il soit parti. Pendant qu'il est là, il n'a jamais permis ça. Lisons une écriture. Question et réponse sur les Hébreux. Vous connaissez l'écriture. Du 6 octobre 57. Paragraphe 916. Écoutez. Pourquoi le monde n'a-t-il pas compris cette photo-là? Parlez de cette photo. Pourquoi n'ont-ils pas saisi cela rapidement? Pourquoi ne saisissent-ils pas toutes ces autres choses? Pourquoi ne saisissent-ils pas toutes ces autres choses? Pourquoi ne saisissent-ils pas ces prophéties et ces choses? Vous savez, ils ne le peuvent pas maintenant. Mais un jour, je quitterai le monde. Et après que je serai parti, alors ils reconnaîtront cela. Pas tout le monde. Certains d'entre vous, jeunes gens, comprendront cela après mon départ. Voyez-vous, maintenant écoutez la dernière phrase. Mais Dieu ne permettra pas que ça se fasse maintenant. Dieu ne fait pas quoi? Il ne permettra pas. Dieu ne permet jamais. Quand il est là, qu'est-ce que les gens disent de moi? Tu es Élie, mais vous, tu es Christ. Ne le dites à personne. Amen. C'est un principe qui est méconnu par beaucoup de nos frères du message. Et voilà pourquoi ils se butent à notre foi. Ils pensent que lorsque le Messie est là, il doit nécessairement dire « c'est moi ». Allez publier que c'est moi. Non. Il a péché. Dieu se cache. Il se révèle dans la scène. Il se cache. Dieu, le créateur des cieux et de la terre. Elohim, le fort, mais il se cache. L'arbre de la vie a été caché. Amen. Et William Branham a parlé du trône. Un jour, il était en débat. Il y a des ministres qui voulaient les questionner sur ce point de doctrine. Entre autres, la semence du serpent, l'enfer qui n'est pas éternel, beaucoup de choses. Ils ont organisé une réunion. Alors ils ont invité Branham. Ils étaient nombreux là. Alors William Branham s'apprêtait de partir. Il voit Billy Paul. Billy Paul dit, ah papa, tu ne vas pas quand même aller là-bas, non? C'est dans les serpents écrasés. À partir du paragraphe 83. Lisons ça. Et je suis allé dire à quelques ministres,
Frère Carlson et frère Tommy X, comment ça se passerait? J'ai dit l'endroit que vous avez réservé, ça ne sera pas comme prévu. Nous serons ailleurs. J'ai dit comment le docteur Miad serait assis, comment un homme de couleur entrerait, comment il s'assiérait et tout. Vous savez comment il a dit ça? Parce que quand ces ministres se sont rencontrés, ils avaient loué une salle. Ils se sont vraiment bien organisés. Quand il viendra, toi tu poseras telle question, toi tu feras ça, toi tu feras ça. Et pendant qu'il faisait ça, William Branham voyait tout. Vous êtes là? Et puis maintenant, le frère Tommy X et un autre frère sont allés dire à Branham, non, nous t'invitons dans telle salle, nous voulons que tu sois là pour partager un peu la parole. William Branham dit, d'ailleurs, cette salle-là, ça ne sera pas là. Ça sera dans une autre salle. Vous avez choisi telle salle, mais ça sera ailleurs. D'ailleurs, ce jour-là, il y aura un homme noir qui sera au coin. Ce jour-là, il y aura un indien qui sera assis tel. Tel frère viendra avec tel habit. Et Tommy X et les autres ne croyaient pas. Ils vont dans la première salle, nous n'ont pas ici. Et toutes les salles étaient occupées, sauf celle-là. Et quand il est entré là, ils ont vu réellement les choses telles que Branham avait dit. Alors avant d'aller, c'est ça, William Branham dit ceci. Alors ce matin-là, ils ont dit, mon fils m'a dit, il a dit, papa, tu vas te rendre là à cette dispute-là. Billy Paul ne voulait pas. J'ai dit, je ne vais pas là-bas pour me disputer. Je veux là, loin du Saint-Esprit, avec la parole de Dieu. Qui gardera ce trône de miséricorde aussi longtemps qu'il est là? Aussi longtemps que le trône est là, moi je serai pour faire quoi? Garder. Vous êtes là? Aussi longtemps que le trône de miséricorde sera là, moi j'y vais pour garder. Et comment il garde le trône? Nous avons vu ça, non? Les évangiles. Dis ce que disent les bandes. Garde le trône. Oh, dites amen. Les évangiles. Quand le trône est là, regardez la phrase, aussi longtemps qu'il est là. Nous avons parlé de Matthieu. Matthieu, on doit être baptisé comment? Au nom du Père, du Fils et du Saint. C'est ce qui est sorti de la bouche de Jésus. Dites ce que disent les bandes. Vous êtes là? Hein? Il était l'évangile. Et l'évangile, lisons. La pensée cachée du serpent écrasé se trouve là. Oh, les serpents écrasés. Je vous ai dit, les serpents écrasés répond à l'exigence d'Élohim dans Éden. Il a dit, gardez l'arbre de la vie, vous les chérubins, pour que aucun serpent ne vienne goûter à l'arbre. Sauf ceux qui seront lavés par le sang de Jésus pourront avoir accès. Mais vous les chérubins, avec une épée flamboyante. Flamboyante, ça veut dire quoi? Allant d'un côté à l'autre. Je ne suis pas prophète, je suis prophète. Je ne suis pas voyant, je suis voyant. D'accord? Alors, vous ayez l'épée. On dit ayez une seule épée. Pour faire quoi? Pour garder. Alors, quand un serpent vient pour manger, le serpent quoi? Écrasé. Serpent est? Et aujourd'hui, tout serpent fils de Caïn, quand il entre en contact avec cette prédication, il est quoi? Ah, mais il a dit ici. Ah, c'est faux. L'épouvantail. Vous connaissez l'histoire de l'épouvantail? Un homme qui a planté ses maïs dans un champ. Il met l'épouvantail, quelqu'un comme un homme, avec un poing ou bien une épée, pour faire fuir les oiseaux. Mais derrière, il y a le vrai blé. Alors tous les oiseaux qui viennent, ah c'est faux, c'est du diable.
Là, les oiseaux viennent, c'est du diable. Mais il y avait des oiseaux têtus. Les oiseaux qui viennent, serpent et casseau, vraiment. Il regarde d'abord de loin l'épouvantail. Il étudie l'épouvantail. Il dit, l'oiseau vient. Il arrive à côté, il rentre. Il voit seulement l'épouvantail comme ça. L'oiseau voit à droite. L'épouvantail est toujours là comme ça. L'oiseau vient. Il dit, ça c'est quoi? Il avance encore. Il fait au bout. L'épouvantail reste à dire. Il vient se placer à la tête de l'épouvantail. Il regarde l'épouvantail. Il saute, il prend le blé du pays. Pendant ce temps-là, le moineau. Les hirondelles. Le poule sont là affamés. À cause de quoi? Le serpent écrasé. Comment le serpent écrasé? Nous nous mettons sur le serpent écrasé et nous mangeons la parole. Nous sommes dessus. Amen. Et nous mangeons. Amen. Regardez le serpent écrasé. Paragraphe 89. Branham en a parlé, il a tout dit. Le trône de miséricorde est gardé. Le Saint-Esprit garde le trône de miséricorde. Écoutez, nous devons, c'est quoi? Une obligation. Nous devons garder cela. Exact. Mais vous qui dites, venez, je vous baptise au nom de Branham, Sotman. Il prêchait contre qui? Le Sotman et tous ces gens-là. D'accord? Il a commencé. C'est du diable, c'est un mensonge horrible, ainsi dit le Seigneur. Mais il continue. Maintenant, écoutez, dans la même prédication, il commence à prêcher le principe de garder le trône. Nous devons garder cela exactement. Que cette parole de Dieu, ces grands messagers assis là, Matthieu, Marc, Luc et Jean, qui soutiennent chaque action de ce Nouveau Testament. Et maintenant, c'est exactement ce que j'ai dit dans la première partie du message de ce matin. Quand il a commencé ce message, il a commencé à dire, il y a quelque chose qui va me faire fuir les champs de mission. C'est ça la première partie. Il dit, quand je parlais dans la première partie, je parlais de quoi? Écoutez, il dit, c'est exactement ce que j'ai dit dans la première partie du message de ce matin. Virgule, laissons cela même être gardé par l'évangile. J'ai vu des frères, quelqu'un a fait sortir un billet au William Branham et les Messi. J'ai vu un autre, il dit, mais quand je parlais de ça, il s'agissait de laisser cela être gardé. Voyez-vous, laissons cela juste là où cela est sous la garde des évangiles. Amen. Rentrons un peu. Comment Matthieu a gardé? Rentrons. Lorsque vous allez maintenant dans la prédication du trône, 287. Et on va descendre. Écoutez. Maintenant, rappelez-vous que Dieu a établi des gardiens pour ce trône. Et rappelez-vous, c'est William Branham a dit, ce trône-là, ces gardiens étaient dans les déserts. C'était le chaque trois tribus d'Israël dans chaque coin cardinaux. Au nord, trois. À l'ouest, à l'est, trois. Ils avaient une mission. Quelle mission? Que le Philistin ne vienne pas prendre l'arche. Ils gardaient.
caché. Cela n'était pas visible aux autres, d'accord? Il dit, quand Jésus est venu, maintenant, qui a fait ses rôles? Matthieu, Luc, Jean, Marc, Jean, d'accord? Et dit, maintenant, il dit, à la seconde venue, il y a aussi les gardes. Vous êtes là? Maintenant, s'il y a des gardes à la seconde venue, c'est quand Jésus vient, il y aura, il sera là et on va garder. D'accord. Écoutez. Dieu a établi des gardiens pour ce trône de la grâce. Qui sont ces gardiens du trône de la grâce? Très bien. M-A-T-H, Matthieu à l'Orient. Luc, Marc et Jean. Leurs quatre évangiles confirment tous le futur livre de Actes. Regardez, c'est dans Actes, vous êtes là, qu'on a baptisé dans quel nom? Au nom du Seigneur Jésus. Mais dans Matthieu, est-ce qu'il y a un baptême au nom du Seigneur Jésus? Non, écoutez. Il les garde où que vous vouliez le regarder. Prenons-en juste un. Juste un, nous n'avons pas le temps. J'ai noté 20 passages ou plus ici. Mais prenons-en juste un sur ce sujet du salut. Aurons-nous le temps de prier? Non. Il est 13h. Aussi, je crois que nous n'aurons pas le temps. À moins que vous acceptiez tous de prier pour les malades. Bon, moi, j'ai beaucoup de temps. Voyez, un frère dit, prenez toute la journée. Madame dit, ça va. Maintenant, remarquez ceci. Matthieu, Marc, Luc et Jean. Qu'est-ce que c'est? C'est les nombres terrestres des évangiles. 4. Très bien. Remarquez. Bon. Matthieu 28, 19, 28. Maintenant, c'est à cela que vous vous référez. Vous, les frères trinitaires, Matthieu 28, 19. Très bien. Il est dit dans Matthieu, à la fin du chapitre, allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Mais voici que le jour de la Pentecôte vint et Pierre dit, repentez-vous et soyez baptisés au nom de Jésus. Branham dit, il y a là quelque chose qui cloche. Vous êtes là? Branham maintenant dit, Matthieu, es-tu ce gardien de la porte orientale? Est-ce que vous avez compris? C'est Matthieu qui a dit baptisé au nom du Père. Mais dans Actes, au nom de... Aujourd'hui, si les catholiques continuent à baptiser au nom du Père, Fils, Saint-Esprit, c'est à cause de qui? Est-ce que Matthieu, tu as fait ton travail? Il le fait jusqu'aujourd'hui. Vous êtes là? Ils vous diront entre Matthieu et Paul et Pierre. Entre ce que disent les bandes. Ah, dit Amen. Prenons la bande. Allez baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Vous voyez? Ça c'est dites ce que disent. Pierre a eu ça où? L'arbre était caché. Amen. Amen. Qu'est-ce que Matthieu gardait? Branham a été clair. Lisons encore. 294. Apocalypse chapitre 4, 3. 294. Écoutez. Maintenant, prenons Matthieu. Et voyons donc ici s'il va garder cela. Pour la guérison divine. Prenez vos crayons et autres. Est-ce que vous notez ceci? Très bien. Voyez si Matthieu sépare cela. Ou s'il sépare. Ou s'il va monter la garde de cela. Prenons Matthieu 10:1. Prenons Jean et voyons si juste un ou deux passages. Prenons-en deux. Ou un ou deux passages de chacun d'eux. Jean 14, 12 et 15, 7.
Voyez s'il garde la guérison divine autour du trône de Dieu. Marc 16, Marc 11, 21 et 22. Luc 10, 1 à 12. Et Luc 11, 29 à 31. Lisons-en quelques-uns et voyons s'il monte la garde. Voyons s'il garde l'accès à la guérison divine de la même manière qu'il garde la porte du baptême au nom de Jésus. Hein? Vous êtes là? Matthieu gardait quoi? Comment il a gardé la porte du baptême au nom de Jésus? En disant, allez baptiser au nom du Père, du Fils. En disant cela, il a fermé la porte. Pour que le serpent, quand il viendra, il soit quoi? Écrasé. Amen. Branham a tout dit, mes frères. Tout est là. Alors, il y a une interdiction formelle de publier le Messie quand il est vivant. Le testament entre en vigueur après la mort du testateur. C'est interdit. Messieurs, nous voudrions voir Jésus. Du 11 décembre 57, à partir du paragraphe 29. Mais il a permis que sa photo soit prise maintenant par l'œil mécanique de l'appareil photo ici. En Allemagne et à travers le monde, et il y a des preuves pour ça. Cela est accroché ici même à Washington DC. Maintenant là, dans le musée des arts religieux, l'unique être surnaturel, jamais photographié, qu'est-ce? C'est lui qui montre qu'il est ici. Et vous allez vous réveiller trop tard. Vous allez vous réveiller trop tard. Écoutez, aucun journal n'a publié cela. Aucun magazine n'a publié cela. Pourquoi? Pourquoi n'ont-ils pas publié? Dieu, lisons ça, Dieu ne peut pas être publié en ces jours-ci. Pendant qu'il vivait. Vous êtes là? C'est Branham qui l'a dit? Dieu. C'est ça la faute de nos amis qui ont été réprimandés par William Branham dans Serpent. Hein? Dieu ne peut pas être publié en ces jours-ci. Pas plus qu'il ne l'a été. Il n'avait jamais su jusqu'à ce qu'Élie et Élisée étaient partis. Il n'avait jamais su qu'Élie était qui Élie était jusqu'à son départ. Il n'avait jamais su qui Jean était jusqu'à sa décapitation. Il n'avait jamais reconnu qui Jésus était jusqu'à sa mort. Son ensevelissement est sarré. Et Jésus-Christ est le même. D'accord. Est-ce que c'est clair? Il n'avait jamais reconnu qui Saint-Patrick était. L'Église catholique l'avait persécuté jusqu'à sa mort et son ensevelissement. Après qu'ils l'ont canonisé saint, Saint François d'Assise, que nous appelons aujourd'hui un prédicateur itinérant avec une Bible sous son bras, l'Église catholique. Il avait protesté contre elle, on l'a haïssé. Mais après sa mort, c'est alors qu'ils l'ont canonisé saint. Jeanne d'Arc, qui sauva la France, une femme spirituelle qui avait des visions et qui prophétisait. L'Église catholique l'a brûlée comme sorcière, exact. On disait qu'elle était une sorcière et on l'a brûlée une centaine d'années ou plus après sa mort. Ils se sont rendus compte qu'elle était une sainte. Oh, ils ont fait des pénitences, assurément. Ils ont déterré le corps des prêtres. Et ils les ont jetés dans la rivière. C'était là une pénitence. Mais malgré tout, ils ne l'avaient pas reconnu jusqu'à son départ. C'est donc pareil aujourd'hui. Vous êtes là? C'est donc pareil.
réveille aujourd'hui. Le Saint-Esprit s'émeut parmi les gens avec des grandes œuvres. Et il se manifeste et fait même savoir cela. Il ne s'en rend pas compte jusqu'à ce que ça soit terminé. Il ne se rend pas compte que Dieu avait promis que cela. Vous direz, eh bien, quand va-t-il faire telle chose? C'est ce que les disciples ont dit des gens. Ils ne comprennent pas. Ils ont dit, pourquoi disent-ils que le prophète Élie doit venir premièrement? Jésus a dit, il est déjà venu et vous ne l'avez pas reconnu. Il ne peut pas être une chose dans une génération et autre chose dans une autre. Il doit continuer de même. Écoutez, Jésus est ici maintenant. Hein? Quoi? Dites amen. Écoutez, Jésus est ici maintenant. Et ceci est votre occasion. C'est aujourd'hui le jour du salut. C'est maintenant le temps. Invoquez-le. Amen. Nous aimons la parole. Elle est tellement bonne et cachée. Dieu l'a tellement cachée qu'aucun incirconcis ne peut le découvrir. Et j'aime. Quand je vois le vautour en train de se battre, de se fracasser la tête, oh non, le Baki Boy, on dit, ah, gloire à Dieu. Amen. Invoquez-le, voyez. C'est maintenant l'heure. C'est maintenant le temps de la délivrance. C'est maintenant le temps où Dieu appelle son peuple à sortir. Pas un autre temps. C'est aujourd'hui le jour. Il se manifeste, virgule. Il se montre. Amen. Amen. Vous êtes là? Parle à cette montagne. Du 15 décembre 57. Ceci nous rassure. On ne peut pas tanguer. On comprend. On comprend pourquoi il a prêché les serpents écrasés. On comprend pourquoi il a tout nié. Branham a tout dit. Le testament entre en vigueur après le départ du testament. Dieu ne permettra pas. Il ne pouvait pas permettre. C'était à l'encontre de ses principes. Et tout ce qui n'est pas de principe, c'est du diable. Ainsi dit le Seigneur, c'est un mensonge horrible. Tout ce qui vient avant le temps n'est pas la vérité. C'est du diable. Il faut faire chaque chose à son temps. Chaque chose a à son temps. C'est ça l'erreur de Sotman et les autres. À partir du paragraphe 39. Écoutez, est-ce que vous entendez, vous qui êtes assis ici? Ainsi donc, il a dit, nul ne peut venir à moi si mon Père ne l'attire premièrement. C'est Dieu qui doit attirer. Alors vous êtes de don d'amour de Dieu à Christ. Je me demandais lorsque le grand Élie était sur terre. Les gens ne l'ont pas reconnu avant qu'il ne soit parti. Vous voyez le même principe, n'est-ce pas? Élisée, même pour les prophètes, souvent c'est comme ça. Élisée prit sa parole. Ils se moquèrent de lui. Ils l'appelèrent vieux, chauve, parce que, encore jeune, il devint chauve. Il ne savait pas qui il était réellement. Jusqu'au moment où il fut ravi et s'en alla au ciel, ou plutôt fut enlevé. Les gens ne savaient pas qui Jean-Baptiste était, jusqu'au moment où ils l'ont décapité. Même les disciples ne savaient pas qui il était. Les disciples ont demandé pourquoi les scribes disent que Jean ou qu'Élie doit venir premièrement. Jésus a dit, il est déjà venu et vous ne l'avez pas reconnu. Voyez-vous comment la chose est carrément passée? Mais la justice de Dieu. Il a appelé ceux qu'il connaissait. Tous ceux qu'il a connus d'avance, il les a appelés. Ceux qu'il a appelés,
il les a justifiés. Ce qu'il a justifié, il les a glorifiés. Voyez-vous, ce qu'il a connu d'avance, écoutez attentivement afin que vous ayez la foi pour croire. Il ne savait pas qui Jésus était jusqu'au moment où il fut mort, enterré et qu'il fut ressuscité. Alors, prenons la Bible. Il continue. Vous, mes amis catholiques, je sors d'une famille de catholiques. Nous avons parlé d'un Saint Patrick. Pourquoi tu parles maintenant de toi? Oh, moi je sors. Nous avons parlé de Saint Patrick, le Saint catholique. Il était tout autant catholique que je le suis ce soir. Mais il n'y a aucune autre église. On l'appelle la main. Qu'est-ce qui se passa-t-il? Lorsqu'il avait le pouvoir d'exterminer le serpent d'Irlande. D'après la légende ou les légendes, et ainsi de suite, nous avons un... Alors, après qu'il fut enterré, l'église l'est reconnue comme un saint. Et les canonisa après qu'il fut parti. Considérez Saint François d'Assise, un prédicateur itinérant, qui avait une Bible sous les bras. Pendant qu'il prêchait, un groupe d'oiseaux faisait des jacasseries. Et il a dit, « Sœur, gardez silence pendant que je prêche l'évangile. » Il fut méprisé et rejeté par l'église catholique. Mais après sa mort, ils le reconnurent comme un saint. Et il fut alors canonisé. Considérez Jeanne d'Arc. Vous les écoliers, qui êtes ici? Jeanne d'Arc, une femme spirituelle qui voyait des visions et avait une lumière spirituelle. Et qu'a dit l'église catholique à son sujet? C'est une sorcière. Et ils l'ont brûlé sur un bûcher. Environ 200 ans plus tard, ils se rendirent compte que cette femme était une sainte. Alors ils se repentirent, déterrèrent le corps de ses prêtres et les jetèrent à la rivière. Ça, c'est une grande repentance. Mais il a reconnu après qu'elle fut partie. Maintenant, pouvez-vous faire 2 et 2 font 4? Hein? Vous attendez quelque chose. Il se pourrait que je ne revienne plus à cette chair. Vous attendez quelque chose qui est en train de passer à côté de vous. Qu'est-ce que les gens attendaient? Vous êtes à l'église là, vous attendez quelque chose qui est en train de passer à côté de vous. Et vous ne reconnaissez pas cela. Après que ça sera parti, alors on ramassera ceci, on dira pourquoi ceci n'est-il pas arrivé? Mais pourquoi il n'y a pas eu enlèvement? Pourquoi il n'y a pas... Quand ce réveil a-t-il eu lieu? Quand ceci a-t-il eu lieu? Ça sera très loin à ce moment-là. Il prie maintenant. Père Céleste, ouvre nos yeux ce soir. Afin que nous voyons ta gloire. Accorde-nous la grâce maintenant même, Seigneur. Nous nous attendons à toi au nom de Jésus. Amen. Vous êtes là? Ayez foi en Dieu. Le 5 janvier 58. Paragraphe 40. Permettez-moi de dire ceci. Vous attendez quelque chose s'est passé, alors que cela est déjà ici. Cela est en train de vous passer par-dessus la tête sans que vous le sachiez. Vous essayez de placer cela dans le futur. Ah, on peut dire amen à William Branham. Peu savaient qu'Élie était Élie avant sa mort. Peu seulement connaissent pendant qu'il vit. Et on leur dit, pourquoi William Branham a prêché le message, l'être sonore, seulement dans la maison de celui qui était accusé son adorateur, Sotman. La prédication, la lettre sonore, était prêchée dans la maison de Sotman. Et Sotman était accusé quoi? L'adorateur de Branham. Et il commence à parler, Lival, va dire, B. R, A, N,
H-A-M. Branham, c'est la perfection. Lequel est parfait. Mais ne dis pas, quand tu vas terminer avec cette bande, il faut l'effacer. C'est dans la prédication. Effacer ça. Et quand il était dans la nuée, il a lié qui parlait serment de ne pas en parler. Sotman et Gain, le jour de la nuée. Et Gain, normal. Je les ai liés pas. Comme quoi ils n'en parleraient pas. Mais toi, tu viens pour donner la vie. Comment bon Babylon comme ça? Pourquoi? Dieu se cache. Et se révèle dans la sainteté. Il faut être un astronaute. N'est-ce pas? Il faut monter très haut. Avait reconnu ce qu'Élisée, ce qu'était Élisée avant son départ. C'est seulement une minorité. Puis avait reconnu ce qu'était Jean. Même les disciples ne savaient pas qui il était, cet homme-là. Ils ont même demandé à Jésus, les Écritures ne déclarent-elles pas qu'Élie doit venir premièrement? Il a dit, il est déjà venu, mais vous ne l'avez pas reconnu. Ils n'ont pas reconnu qui était Saint François d'Assise. Ils n'ont pas reconnu qui était Saint Patrick. L'église catholique le réclame, mais il était pratiquement autant catholique que moi. Il a protesté contre l'église, Saint François d'Assise aussi. Qu'en est-il de Jeanne d'Arc? Une femme spirituelle qui avait des visions et tout, et l'église catholique l'a brûlée sur le bûcher, sans savoir qui elle était. Et des centaines d'années plus tard, ils ont exhumé les cadavres de prêtres, et ils se sont repentis en les jetant dans la rivière. Maintenant, elle est une sainte. Cela leur était passé par-dessus la tête avant qu'ils le reconnussent. Ne laissez pas ceci vous passer par-dessus la tête. Ce n'est pas moi, mais c'est lui. Pourquoi tu dis que ce n'est pas toi? Qui a dit que c'est toi? Hein? Ne laissez pas sa présence bénie et ressuscitée vous passer par-dessus alors que vous attendez. Le diable vous pointe cela dans le futur alors que cela est ici même maintenant. On va bientôt... Oui, on va terminer... Lisons Ayez foi en Dieu, prêché à Chicago le 5 janvier 58, paragraphe 40. Permettez-moi de dire ceci. Vous attendez quelque chose se passer alors que cela est déjà ici. Cela est en train de vous passer par-dessus la tête sans que vous le sachiez. Vous essayez de placer cela dans le futur. On a déjà lu ça. Jéhovah Jireh, 27 janvier 58. Paragraphe 63. Eh bien, vous les braves catholiques, je ne voudrais pas vous blesser. Saint Patrick, qui était-il? Un catholique, absolument. Il a dit, les gens attendent quelque chose dans le futur, n'est-ce pas? Il va dire ce que les gens attendent dans le futur, là. Un catholique, absolument pas. Il a protesté contre l'église catholique, mais après sa mort, on a reconnu que c'était un saint et on l'a canonisé. Il dit la même chose, tout ce que nous avons lu là. Maintenant, paragraphe 64. C'est ce que Dieu fait toujours. Il ne peut pas accomplir un autre signe parce qu'il ne fait acception de personne. Cela leur est passé par-dessus la tête avant qu'ils ne les reconnaissent. Point. Christ est ici. La chose que les gens attendent dans leur... Christ est ici, point. Pas étonnant qu'il pouvait dire, je vous tourne le dos pour vous prouver que le même ange qui était devant Abraham est ici. Tu tournes le dos de qui? Là-bas, c'était le dos d'Elohim. Ici, c'est le dos de qui? D'un chasseur d'écureuil. Et il n'est pas Elohim? Mais pourquoi il parle de son dos? Qu'est-ce qu'on a à faire avec le dos? Amen! Je vous tourne le dos. Alors le dimanche, nous allons évoluer avec, nous appelons, la foi qui a été, ça c'est terminé. Vous avez vu les principes du testament, n'est-ce pas? Branham a martelé sur ça, dans notre temps. C'est ça l'application. Voilà pourquoi il était contre.
Branham a refusé même qu'il ait été un prophète. Il a dit, quand je dis que je suis prophète, c'est dans le sens anglais. En anglais, prophète signifie prédicateur. Parfois, je me retrouve dans la bande, je dis, mais croyez-vous être prophète? Mais vous me comprenez mal. Cela veut dire prédicateur. Je ne suis pas prophète. Je ne le dis pas pour être humble. Je le dis pour être véridique. Le petit Willy a placé mon nom là comme messager. Je ne le suis pas. Je suis seulement quelqu'un qui suis venu préparer le chemin pour que celui-là, quand il viendra, puisse monter. Il a tout nié. Ailleurs, il a dit, il n'est même pas prédicateur. Il a dit qu'il n'est pas Jésus. Mais il a tout nié. Il a tout nié. Amen. Alors, nous appelons des choses qui ne sont pas visibles comme si elles étaient. C'est cette foi abrahamique. La foi abrahamique ne regarde pas à ce que nous voyons. Écoutez les secrets de la foi abrahamique. Branham a dit, quand on prie pour vous lorsque vous êtes malade, et ça peut seulement appliquer cela, croyez que vous êtes guéri. Quel que soit ce que vous sentez. C'est grave. Hein? Même moi, le pasteur, parfois j'ai failli. Pasteur Boni, Nazam malade. Branham n'aime pas ça. Ne confessez jamais. Parfois on a des difficultés de le dire. Alors parfois on se dit, non, je vais bien par la grâce du Seigneur. Comprenez seulement ce que je dis. Amen. La foi abrahamique, la foi qui a été transmise une seule fois pour toutes aux saints, transcende les aspects physiques, les aspects que nous voyons. Ça s'accroche à la parole. La foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend de tout ce que vous croyez, vous demandez, croyez déjà l'avoir reçu. Et vous le verrez. C'est ça. La foi d'Abraham. Et c'est pareil avec le millénium. C'est pareil avec l'enlèvement. Branham dit que celui qui est. On va lire une écriture pour ça, il est dimanche. D'abord, Branham dit que ceux qui n'ont pas la foi d'Abraham, ce sont des piètres exemples d'Abraham. Jéhovah Jireh, le 6 janvier 57, paragraphe 27. La Bible dit qu'il était sans cesse fortifié. Maintenant, nous disons que nous sommes la postérité d'Abraham. Seigneur, vas-tu me guérir ce soir? Je t'accepte comme mon guérisseur. Eh bien, vous savez, le matin, vous dites, je ne sens aucun changement. Peut-être que je ne suis pas guéri. Vous êtes un piètre exemple de la postérité d'Abraham. Quand vous dites seulement, je t'appelle, comment? Frère, comment? Boni, santé, lobby. En tout cas, changement exacté. Moi, je ne parle pas. Lisons Branham. Vous êtes un piètre exemple. C'est grave. Mais si tu dis que tu vas bien aussi, peut-être on ne va pas prier pour toi. On est dans un dilemme. Non, moi quand tu dis que par la grâce du Seigneur, nous allons bien, sa grâce nous protège. Ah, je comprends, il faut prier pour lui. D'accord? La foi d'Abraham ne confesse jamais ce qui est négatif. C'est ça le secret des vainqueurs. On termine avec Jéhovah Jireh 25. Du 12 juin 57, paragraphe 25. Si j'héritais d'une maison, sûrement je ne voudrais pas y aménager avant d'avoir eu l'occasion de tout visiter. J'aimerais voir ce qui m'appartient. J'aimerais voir ce que je possède. Et lorsque je deviens héritier du royaume de Dieu, de la justice de Jésus-Christ,
que je suis baptisé dans cette grande galerie de bénédictions éternelles de Dieu, j'aimerais faire un tour pour voir ce qui m'appartient. Amen. Regardez dans les étagères pour voir ce qui s'y trouve. Vous êtes dans un magasin qui est votre. Nous l'avions dit l'autre fois. Il y a des étagères. Vous venez dans la torche. Torche Zali. Vous êtes là. La lampe torche est là. Mais c'est quelque part. Vous n'avez tout simplement pas vu. Tout est là. Écoutez. Dit, regardez dans les étagères pour voir ce qui s'y trouve. Tenez chaque promesse dans les livres appartient à chaque croyant. Ne restez pas tranquille pour que quelqu'un vous pousse dans un coin et vous offre une petite patate froide et vous dise d'attendre. Ça viendra, c'est là. Ne prêtez pas oreille à cette histoire. La promesse de Dieu est pour vous maintenant même. Écoutez, on vous renvoie à un millénium quelque part. Oh, on attend le millénium. On vous renvoie à un millénium quelque part. William Branham s'arrête. La Bible dit, nous sommes maintenant enfants de Dieu. Ce que nous serons, nous le sommes maintenant. Virgule. Au temps présent. Nous sommes déjà dans l'éternité. Amen. Nous sommes dans le millénium. Amen. Nous avons déjà été enlevés. Amen. William Branham dit, quand Christ vient, en lui, c'est ça le magasin. Tout est là. L'enlèvement, le millénium, l'éternité. Et Christ est en moi, c'est l'espérance de la. Que le Seigneur vous bénisse. Nous allons nous tenir debout. Nous avons la foi d'Abraham. La foi abrahamique. C'est la foi mystique. Quelqu'un peut être malade, blessé, et vous dit il va bien. Tout va? Tout va bien. Tout va bien. Amen. On va nous entonner un chant qui va nous conduire dans la prière. La commission. Nous sommes venus à clamer.
message de l'un, les signes, les signes, les signes, les sons de l'alliance, les messages de l'un, les signes. Les signes, les signes. Quand l'ange de l'âme on partait l'Égypte, mais Moïse exigea les signes. Les sons de l'agneau cliquent à chaque letton. Après que l'ange passe par-dessus. Les signes, les sons de l'alliance, les messages de l'heure. Les signes, les signes, les sons de l'alliance, les messages de l'heure. Les signes, personne ne pouvait s'épargner, seulement parce qu'il était Israël, sans avoir appliqué les sons. Ceux qui étaient laissés, les gardez-vous. Oh, les signes, les sons de l'alliance, les messages de l'heure. Les signes, les signes, les sons de l'alliance, les messages de l'heure. Les signes, et quittons tous en dehors l'Égypte, tous ne sont pas entrés à Canaan. Sinon, Josué et Caleb, parce qu'ils avaient appliqué dans leur cœur les véritables signes, l'expiation de leurs jours, qui était Moïse. Voilà les signes, chantons les signes, les signes, les signes, les sangs de l'alliance, les messages de l'heure. Et est-ce que vous le croyez? Les signes. Les signes, les sons de l'alliance, les messages de l'heure. Nous vivons dans une génération qui est tellement privilégiée. Nous avons réussi un signe du ciel, la colonne de feu de retour. Elle est venue moindre les saints des saints, afin de nous servir un tabernacle, un parfait lieu d'adoration. Voilà les signes, j'adore les signes, les signes, les sons de l'alliance, les messages de l'heure. Les signes, j'adore les signes, les signes, les signes, les sons de l'alliance, les messages de l'heure. Les signes de mon jour, c'est un nom. Les signes de mon jour, ta calvitie. Son nom, c'est William Branham. Expiation pour mes péchés. Les signes, les signes, les sons de l'alliance, les messages de l'heure. Les signes, j'adore les signes, les signes, les signes. Les sons de l'alliance, les messages de l'heure. Les signes de mon jour, c'est un nom. Les signes de mon jour, c'est ta calvitie. Son nom, c'est William Branham. L'expiation pour mes péchés. Les signes, les sons de l'alliance, les messages de l'heure. Les signes, oh oui, les signes. Les signes, les sons de l'alliance, les messages de l'heure. Les signes.